Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Le grand jour est arrivé, voilà. C'est le jour du tirage au sort pour le concours des 5000 abonnés. Donc on va connaître le nom des 5 gagnants aujourd'hui du concours. Elle est folle. Elle a cru qu'elle n'allait pas pouvoir venir à la vidéo, ou je sais pas. Elle dormait. Hein. Une grosse fofolle. Donc, je disais, on va connaître aujourd'hui le nom des 5 gagnants. Voilà, du concours des 5000 abonnés. Non, mais n'arrache pas les pages avec les noms des gagnants. Enfin, je ne sais pas encore qui, mais si tu m'arraches les noms, je ne sais plus qui c'est. Hop, éteindre le son de la télé 2 secondes. Donc, je vais faire comme d'habitude, je vais faire le tirage au sort sur l'ordinateur, hein, sur le site qui fait des tirages avec les nombres aléatoires. Et on se retrouve tout de suite. Et après, j'explique pourquoi, le comment, comment ça fonctionne, comme d'habitude. À tout de suite. Alors, voilà. Nous sommes sur le site. Alors, désolé si ça fait des reflets, mais je pense que vous allez bien voir quand même. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai bien mis 124 participants. C'est le nombre que vous avez été cette fois-ci. Donc, merci beaucoup. Vous avez été nombreux et nombreuses. On va tirer au sort pour le lot numéro 5. Allez. On lance, c'est le numéro 73. Alors, je regarde dans mon cahier. Le numéro 73, c'est Sandrine Guillemont. Alors, je vais marquer tout de suite sur mon cahier. Hop. Sandrine Guillemont, le numéro 5. Donc, vous inquiétez pas, comme d'habitude, je remets les noms avec les numéros à la fin. Donc Sandrine, tu as le numéro 5. Maintenant, on va tirer au sort pour le lot numéro 4. Le 112. Alors, le 112. Attends, non, Fifi, il n'y a pas là maintenant. Alors, c'est Monique Cheux, une petite Belge. Donc tu as le numéro 4, enfin tu es le lot numéro 4. Pour le lot numéro 3, le 108. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper en disant le nom. Almendinger Nadine. Désolée si je prononce mal. Fifi. Donc, Nadine, tu auras le lot numéro 3. Le lot numéro 2. Le 32. On se croirait au loto. Le 32, Marie-Christine de Paris. Donc, le lot numéro 2. Voilà, c'est noté dans mon cahier. Et le lot numéro 1. Donc, la grande gagnante ou le grand gagnant. Le 112. Ah ben non, il est déjà sorti le 112, il ne peut pas gagner deux fois. Ben alors, qu'est-ce qu'il me fait le tirage au sort? Désolé, on retire alors. Le 63. Le 63, c'est Marie Vêtu. Ou veux-tu?
Voilà, donc tu as le numéro 1. Voilà, alors je vous redis les noms. Alors pour le numéro 1, Marie, veux-tu? Numéro 2, Marie-Christine de Paris. Numéro 3, Almendiguer Nadine. Numéro 4, Monique Cheux. Numéro 5, Sandrine Guillemant. Allez, je reviens vers vous. Alors, je dois refaire la fin de ma vidéo. Je suis désolée. J'ai la fin, j'ai pas le début de la fin. Alors, maintenant, on connaît le nom des cinq gagnantes. Je vous les ai dit. Je vous les ai dit. Bon, pour arriver à une certaine heure, hein, le soir, on ne sait plus trop parler français. Je vais vous remettre le nom des gagnantes. À la fin, voilà, avec les numéros. Donc, maintenant, je vous demande donc de m'envoyer un email. Mon email est en barre d'infos. Vous m'envoyez un email, ou alors si vous connaissez mon Facebook, vous m'envoyez un message sur mon Facebook. Alors, vous m'envoyez, alors surtout, si vous n'avez pas le même pseudo que YouTube, notez-moi bien le pseudo de YouTube dans votre message pour que je puisse savoir que c'est bien vous. Avec votre numéro, que vous étiez là, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, voilà. Comme ça va plus vite pour moi, hein, pour chercher. Cherche la facilité. Alors, dans votre message, notez-moi bien en même temps votre adresse complète et également l'adresse de votre Mondial Relais. Voilà, pour que je puisse vous l'envoyer par le biais de Mondial Relais. Bon, si vous n'avez pas de Mondial Relais, je l'enverrai par la poste. Mais je préfère 100 fois mieux quand même Mondial Relais, hein, ça coûte moins cher. Alors, si par Mondial Relais, surtout, donc il me faut votre adresse, bon, votre email ou votre numéro de téléphone. Puis bon, c'est tout. Oui, c'est tout ce qu'il me faudra. Donc, mais bon, s'il manque un renseignement, je vous le redemanderai de toute façon. Moi, je vous enverrai. Là, vous avez 7 jours pour prendre contact avec moi. Si au bout de 7 jours, vous n'avez pas pris contact avec moi, ben, j'annule votre participation, désolée. Et je referai un tirage au sort pour les personnes qui ne, ben, qui n'auront pas pris contact avec moi. Donc, s'il y en a une qui n'a pas pris contact, ben, je referai un tirage au sort pour une personne. S'il y en a deux, ben, je referai un tirage au sort pour deux personnes. Voilà, ainsi de suite. Ensuite. Moi, donc, j'attends 7 jours, donc ça fait jusqu'au 6 décembre à Saint-Nicolas. Et donc, j'enverrai les colis, enfin les colis, les kits, ce n'est pas les gros colis, hein. Donc, entre le 6 et le 13 décembre, voilà. J'enverrai les paquets à ce moment-là. Comme ça, moi, j'ai ma pension. je suis obligée d'attendre ma pension pour vous les envoyer. Hein, il n'y a pas de miracle. Donc, comme ça, je pourrais vous les envoyer. Sinon, oui, voilà. Donc, vous m'envoyez bien un message. Donc, soit par Facebook, soit par email. Vous avez 7 jours. Vous m'envoyez bien tous vos renseignements, votre mondial relais. Et puis, voilà. Et si j'ai pas de nouvelles de vous, ben, j'annule la participation donc le 6 décembre. Allez, maintenant, j'espère que mon téléphone a bien enregistré mon message. Et je vous fais à tous de gros bisous en vous disant de ne pas oublier qu'il y a encore un petit concours qui est en route, mais bon, c'est surtout pour les scrapeuses. C'est pour gagner des revues de scrap et de carterie. Donc là, le tirage au sort va se faire dans la semaine ou fin de semaine. J'ai plus la date exacte en tête. Donc vous pouvez encore aller participer. Et dans la semaine, je vais faire un tout petit concours pour faire gagner l'écharpe que j'ai faite en crochet, que j'ai fait en tuto là, cette semaine.
Je préfère la faire gagner à quelqu'un. Voilà, vous aurez une écharpe faite par mes petites mimines. Donc, si ça intéresse quelqu'un, bah, vous pourrez, si ça vous intéresse plutôt, bah, vous pourrez participer également à ce petit concours. Voilà, il sera en ligne dans la semaine. Voilà, peut-être au plus tard ce week-end, mais je vais voir comment je m'arrange cette semaine. Comme j'ai pas mal de choses à faire, je vais voir pour faire au mieux. Voilà. Mais comme ça, vous pourrez gagner aussi cette petite écharpe. Voilà. C'est. Oh, Camillo, donc Camillo à la télé. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.